Bonjour à vous tous et à vous toutes, golfeurs passionnés. Alors, je me transforme en mère Noël aujourd'hui pour vous annoncer une très bonne nouvelle. D'abord, je suis Dr. Dominique Dufour, chiropraticienne. Je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist et je suis l'organisatrice et la fondatrice du Sommet Web Golf. Alors, ma bonne nouvelle en tant que mère Noël du golf aujourd'hui, c'est de vous annoncer que le sommet revient pour sa troisième année. Donc, ce sommet aura lieu du 23 janvier au 27 janvier inclusivement. Si vous n'êtes pas familier avec le sommet, donc c'est une semaine de golf. Ce sont des présentateurs, des experts de golf qui vous entretiendront chaque jour, donc une présentation par jour, quoiqu'il y ait une petite exception cette année. Donc, en somme, une présentation par jour pendant 5 jours. L'exception, c'est que le lundi 23 janvier, vous aurez 2 présentations consécutives, donc 6 présentateurs en 5 jours. Je vous mets l'eau à la bouche en vous présentant nos conférenciers de cette année. Donc, dès le lundi 23, nos 2 conférenciers, ce sont les 2 fondateurs de B2 Golf. Donc, vous entendrez à 12h30 Pierre-Luc Bergeron qui vous parlera de l'entraînement hivernal, donc dans les centres intérieurs, comment s'y prendre pour avoir plus de performances, évidemment, rendues au printemps. Maxime Beaulieu, donc, suivra toujours notre fondateur de B2 Golf à 13h30 le 23 janvier. Il nous parlera de l'évaluation et de la maximisation de son sac de golf. Donc, ce sera fort intéressant. On connaît Maxime, toujours pratico-pratique, alors vous aurez de belles surprises. Le lendemain, mardi 24 janvier, donc, on va parler de nutrition. Vous avez été plusieurs à nous le demander dans les sondages des 2 dernières années, de parler d'alimentation, quoi manger pour aider ses performances, pour bien faire sa partie de golf, avoir de l'énergie jusqu'à la fin du 18e trou. Donc, on aura Mélanie Olivier, qui est nutritionniste et diététiste et fondatrice de Vivaille, expert en nutrition sportive. Et elle nous entretiendra de bien manger pour mieux performer au golf. Donc, ce sera certainement passionnant. Mercredi, donc, le 25 janvier, Christian Turbide, vous le connaissez, Christian, toujours un professionnel de golf pratico-pratique. Alors, le thème de sa conférence, tout commence par la position de base. Le jeudi 26 janvier, notre dynamique Sylvie Chetagne est de retour. Et ça devrait donc vous intéresser parce qu'elle va nous parler de comment retenir et appliquer tout ce que vous avez appris durant vos cours de golf. On sait, on prend un cours de golf, on a tout compris, on a mis en pratique pendant l'heure qu'on est avec notre pro de golf, et là on arrive sur le champ de pratique ou sur le terrain de golf, et là un peu tout s'embrouille. Alors Sylvie va faire du ménage dans votre cerveau, et va vous expliquer donc comment retenir et appliquer tout ce que vous aurez appris durant vos cours de golf. Et j'aurai le privilège donc de terminer cette semaine, donc le vendredi 27 janvier, et je vous parlerai de comment vous préparer physiquement pour votre saison de golf. Donc, une semaine bien remplie, c'est la mère Noël qui vous le dit, c'est gratuit à Noël. Pourquoi pas, c'est Noël. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus de cette présentation, de cette vidéo, pour pouvoir vous inscrire gratuitement dès maintenant. Ne reportez pas à plus tard parce que le temps passe, Noël approche, on perd le fil. Donc, inscrivez-vous dès maintenant et vous recevrez les liens donc quelques jours avant le sommet, donc du 23 au 27 janvier, donc toujours de 12h30 à 13h30, sauf le lundi où il y aura 2 heures de présentation consécutive. Donc, une semaine qui va être fort agréable. On va être dans le gros froid de l'hiver, donc ça va déjà nous réchauffer. Ne mettez pas vos bâtons de golf trop loin, donc vous en aurez besoin pour pratiquer ce qui va vous être enseigné durant cette semaine du Sommet Web Golf 2023. Donc, cliquez au-dessus de la vidéo et au plaisir de vous y retrouver. Ça va être une semaine absolument extraordinaire. Donc, à bientôt!